Et l'Orcanard, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, cette vidéo est sponsorisée par Oli. Merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. Oli, c'est une boisson en poudre qui est là pour substituer le Coca-Cola ou le Fusti ou tous les produits sucrés dans lesquels j'étais très accro. Il faut savoir que pour ceux qui ne le savent pas, malheureusement, je suis gros, hein, et du coup j'ai besoin un peu de perdre du poids. Mais je pense que mon poids est essentiellement dû au McDo et au Coca que je buvais. Donc du coup le McDo, j'ai pas envie de m'en passer, mais le Coca c'est faisable. Et ça tombe bien parce que Oli m'avait contacté à une période pour me dire « Hey, est-ce que tu veux sponsoriser nos produits et faire des vidéos sur nos produits ?» Je leur ai dit « Du produit en poudre, c'est non, mais bon, on peut quand même goûter. » Donc ils m'ont envoyé un pack pour goûter, on a goûté tous les goûts qu'il y avait disponibles. On en a retenu quelques-uns, mais il y en a qui nous ont vraiment plu, c'est le goût pomme. On le trouve trop bon ce goût. Et du coup, ils m'ont proposé de faire un partenariat, donc c'est pour ça qu'ils sont partenaires de cette vidéo. Et je vais vous montrer comment faire une boisson Oli en moins de 15 secondes. Ouais, ça peut-être me prendre un peu plus de 15 secondes. J'ai besoin de trois choses, j'ai besoin de Oli pomme, ça c'est trop bon. C'est le meilleur des goûts de Oli, il n'y a même pas débat. Un petit shaker Oli et de l'eau bien fraîche. Je prends mon shaker, je mets mon petit filtre, je mets 500 ml d'eau. Alors, moi, je prends de l'eau en bouteille. Vous pouvez bien évidemment prendre de l'eau du robinet si vous avez confiance en votre robinet. Mais dans ce cas-là, mettez-la bien fraîche. Ou alors, mettez des glaçons dedans, ça sera tout de suite bien meilleur. Vous prenez le petit pot de Oli. Il y a une petite cuillère à l'intérieur qui représente une dose. Dans chaque paquet, il y a 35 doses qui fait 17,5 litres de Oli, donc c'est pas mal. Vous saupoudrez dans votre shaker comme ça, afin de ne pas faire trop grumeaux. Et là, va venir mon moment préféré du Oli, c'est bien évidemment le shaker. Vous prenez le shaker, vous le fermez bien pour ne pas en foutre partout dans la maison. Et on y va. Il faut savoir que Oli, ce n'est pas une boisson de régime, ce n'est pas une boisson protéine, ce n'est pas une boisson énergisante ou quoi que ce soit, c'est juste une boisson qui contient peu de sucre. Il faut savoir que notamment, par exemple, dans un Fusti, dans 500 ml, il y a 21 g de sucre. Wow. Dans un Oli, tu sais combien il y en a? Non. Dans 500 ml, il y a 0,43 g de sucre. Et pourtant, c'est très bon. Oli pomme, on a vraiment le goût de pomme. Oli mangue, on a vraiment le goût de mangue. Bon aussi, donc c'est très très bon. Une fois que c'est secoué, on ouvre. Et voilà. Et on discute une bonne boisson saveur pomme. Il faut savoir qu'il y a un lien dans la description pour faire par exemple un pack de découverte ou pour acheter votre Oli. Et grâce à ce lien, vous allez avoir 5 € de réduction sur votre commande. Et oui, ce qui fait que sur une commande d'un starter pack ou d'un pack de thé pomme, par exemple, vous allez avoir le shaker totalement gratuit. Wow. Et ça, c'est plutôt cool. C'est GEL5, le code promo, et le lien dans la description. Allez, on attaque? On attaque. C'est parti. Peut-être que certains d'entre vous ne sont pas au courant, mais sur Twitch, tous les soirs quasiment, on ouvre des cartes l'Orcana. On a déjà fait beaucoup de vidéos. Si vous ne savez pas ce que c'est que l'Orcana, je vous invite à regarder ces vidéos ou alors de nous rejoindre quasiment tous les soirs sur Twitch à 21 h. On ouvre des boosters avec Étienne, avec Max, avec Emma, avec des invités de temps en temps. Et c'est très sympa. Eh bien, tous les soirs, on ouvre des cartes l'Orcana, on aime l'Orcana et du coup, on a décidé d'organiser un événement autour de Disney l'Orcana. Ça nous a été énormément demandé, même moi j'ai très envie de le faire. Oui. Et du coup, nous allons organiser la première L'Orcana Day. Qu'est-ce que c'est qu'une L'Orcana Day, la bouille? Déjà, c'est quand? La L'Orcana Day, c'est le 1er octobre. C'est un dimanche. Le dimanche 1er octobre 2023. C'est bientôt. Et ça sera où? À Mickey. C'est où exactement? Grand Magic Hotel à Mickey. Alors, pourquoi Mickey on a... Land, Grand Magic Hotel, 1er octobre. La raison pour laquelle on a choisi cet hôtel, ce n'est pas un hôtel Disney comme le Newport ou le New York, mais c'est un très bel hôtel. Et la raison pour laquelle on a choisi cet hôtel, c'est parce qu'ils ont 2 salles qui peuvent s'adapter à nos besoins en fonction du nombre d'inscrits, mais surtout que vous pouvez y aller en bus à partir de la gare de TGV de Marne-la-Vallée. Il y a des navettes gratuites. Il y a des navettes gratuites pour y aller. Ouais. Et si vous voulez y aller en voiture, il y a un parking qui est gratuit si vous venez à l'événement. Ah oui. L'événement sera décomposé en 3 parties. La première partie, ça sera une initiation à l'Orcana. C'est quoi? Alors, c'est très simple, vous allez venir avec nous dans une salle et je vais tout vous expliquer sur ce qu'il y a à savoir à l'Orcana. Qu'est-ce qu'un display, qu'est-ce qu'un booster, quels sont les accessoires qu'on peut acheter. Mais surtout, je vais pouvoir vous expliquer comment jouer à l'Orcana. Ah, c'est bien. Et on va jouer?
Et on va jouer, je vous explique. Et on va jouer à l'Orcana. Ça sera pas un tournoi, ça sera juste des matchs amicaux, on va dire. Mais en tout cas, il y aura toute une initiation de 2 heures sur l'Orcana. Cette initiation, elle va se dérouler de 10h à midi, au Grand Magic Hotel forcément. Et il y a 2 façons de participer. Oui. La première, c'est vous avez déjà 1 milliard de cartes l'Orcana comme nous. C'est beaucoup. Oui, c'est quand même énormément. Et vous allez pouvoir venir avec à l'initiation. Ouais. Et dans ce cas-là, l'initiation ne sera qu'à 15€. Vous venez, on vous apprend, vous participez aux 2 heures avec nous, on vous apprend les règles et vous jouez avec d'autres joueurs qui ont envie de commencer à jouer, on va dire. Okay. La deuxième solution, c'est un package à 35€. Et ce package à 35€ inclut un des starter packs de l'Orcana. Il y en a un des trois. Ça, on peut pas, au pif, on peut pas choisir lequel parce que ça dépend des quantités qu'on va réussir à trouver. On a commencé déjà à acheter les starter packs pour l'événement, mais en tout cas, il y en a 3 différents. Et du coup, pour 35€, vous allez pouvoir partir avec un pack l'Orcana. Mais du coup, c'est le même prix en fait, vu que ça coûte 20€. Ça coûte 20€ à Disney. C'est exactement le même prix où on l'achète. Ça, c'est pour 35€ de 10h à midi. Bref, vous pouvez venir avec ou sans starter et participer à cette initiation. À midi, de midi à 14h, il y a une bourse d'échange de cartes. Ça, c'est cool. Parce que nous, des cartes, on en a 1,298,000, si j'en crois mon dernier compte. Et du coup, ça va être un moment pour nous de se retrouver dans une salle avec chacun sa petite table et pouvoir échanger des cartes. Il est hors de question de faire de la vente sur place. Ce n'est pas une bourse de vente, mais une bourse d'échange. Moi, je viens avec mes doubles et je peux échanger avec les doubles des autres. Voilà, exactement. C'est un moment convivial, en même temps pour partager sa collection, montrer ce qu'on a dans sa collection et peut-être compléter sa collection, mais pas d'argent. L'accès à cette bourse d'échange, on l'a fixé à 2€. Ouais, c'est comme pour les bourses aux jouets. Voilà, ouais. Tu payes ton stand. Tu payes ton stand 2€ pour accéder mais à cette bourse d'échange. Mais s'il y a trop de gens, ils n'auront pas tous une table. C'est pas grave. C'est pas grave. En fait, ça dépend du nombre d'offres. Il y aura plein de tables. Il y aura plein de gens. Il y aura plein de tables et il y aura plein de gens. Vous pouvez échanger des enchantés. Des enchantés. L'enchanté. Ou même échanger, si vous voulez, des boosters. Boosters. Des boosters. C'est comme vous voulez. Ça va être très sympa. En tout cas, c'est un moment qu'on attend énormément parce que beaucoup de personnes ont beaucoup de cartes qu'ils n'arrivent pas à trouver. Ouais. Et là, ça peut être le moment idéal pour échanger vos doubles et acquérir les cartes que vous n'avez pas. Et du coup, nous, on aura un stand aussi pour bien échanger. Bien sûr, ouais, on aura peut-être le plus gros stand de l'Orca. À partir de 14h, il y a un troisième événement. Et cette fois-ci, attention, le lourd, ça vient, c'est le tournoi l'Orcana. Oh la vache, ça rigole plus. Une fois de plus, c'est une inscription à 15€ pour accéder au tournoi. Et vous allez pouvoir jouer toute l'après-midi dans une ligue pour gagner des points et pouvoir remporter la première place. Et bien évidemment, repartir avec des beaux cadeaux. Il y aura des bons d'achat, il y aura des produits l'Orcana, il y aura plein de trucs pour le grand gagnant de ce tournoi. Et c'est surtout l'occasion de tous se retrouver et de jouer, passer... De jouer enfin avec des gens. Et de passer un bon moment. Alors certaines personnes disent « Ah oui, mais c'est dommage, faire payer 15€, machin. Hein. » Il faut savoir qu'une salle, notamment dans un hôtel comme celui-ci, ça coûte une couille. Donc du coup... Ces frais justement d'inscription nous permettent tout simplement de rembourser cette salle et de toute façon de gérer un petit peu le nombre de participants qu'on va pouvoir avoir et qui vont pouvoir venir. Sachant que nous avons 2 salles à notre disposition, on a une petite et une très grande. Si on n'arrive pas à remplir la petite, on ne prendra pas la grande. Mais à l'inverse, si la petite est remplie, on ne fera rien dans la petite, on fera tout dans la grande. Oui. Donc c'est en fonction du nombre d'inscrits. D'ailleurs, comment est-ce qu'on s'inscrit la bouille? Eh bien, il faut aller sur le site de lapetitechèvreshop.fr. Il y a toute une partie de la boutique qui s'appelle l'Orcana Day. Et vous allez pouvoir acheter les différents accès aux événements. Il y aura initiation avec un starter, accès à la bourse et accès au tournoi. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on vous a même fait un package où vous pouvez avoir le tout. Les trois. Tout lissé. Et ça ne vous coûtera que 30€. Vous économisez les 2€ de la bourse. En gros, si tu prends le pack de la journée, tu payes pas la bourse, quoi. C'est ça, exactement. Pas mal. Et pareil, le pack de la journée, tu peux l'acheter avec le starter deck à 50€. Ah, d'accord. Pour l'instant, on n'a pas de sponsor, on n'a pas de boutiques qui vont venir. C'est peut-être avec cette vidéo, si vous la partagez, si vous l'envoyez à des boutiques du coin ou quoi que ce soit, peut-être qu'ils vont vouloir venir. On ne sait pas encore ce qu'il va y avoir. Mais une chose est sûre, c'est que j'ai besoin de votre aide sur quelque chose, les amis.
j'ai besoin que si vous êtes intéressé par un événement Lorcana, si vous êtes intéressé par cet événement Lorcana qui est la Lorcana Day, je vais vous demander de poster une story sur Instagram. Vous marquez « Je participe à la Lorcana Day » et s'il vous plaît, taguez deux personnes. Dans trois du coup. Moi, Jérôme en live, le deuxième, Ravensburger, et le troisième, le compte Disney Lorcana. Et non pas Disney Lorcana TCG, ça c'est le forum des fans. Vous mettez une story avec ces trois comptes, je participe avec votre billet de participation, avec vos cartes Lorcana ou quoi que ce soit. Comme ça, ça nous fait permettre de montrer à Ravensburger et à Lorcana qu'on fait un événement et qu'il y a beaucoup de monde qui vont venir. Okay. Et même si vous ne venez pas, faites une story. Oh, j'aurais tellement aimé aller à la Lorcana Day. Taguez moi, taguez Ravensburger et taguez Disney Lorcana. Et peut-être qu'ils vont nous envoyer un paquet avec des cadeaux. On ne sait pas. On ne sait pas, ça serait trop bien. Des pins, des petits trucs, des petites conneries, des babioles. Un pince Disney, Lorcana. Mais en tout cas, voilà, c'est un événement où je sais, les trucs pour compter les points. Des compteurs de l'or ou des tapis, même des produits Lorcana peut-être, je ne sais pas. Taguez-les s'il vous plaît, envoyez-leur des messages, ça serait super qu'on puisse avoir leur attention et qu'ils puissent nous dire « Hey !» On voit que vous organisez quelque chose autour de notre jeu et ça, c'est cool. Parce que c'est vraiment le but du jeu, c'est vraiment de se retrouver tous ensemble entre fans et passionnés ou bien de découvrir Disney Lorcana. Parce que au-delà de la collection, comme on fait nous tous les soirs à vouloir ouvrir des boosters, c'est un jeu et le jeu est très bien. Oui, il est bien le jeu. Il est vraiment bien le jeu. Il est très simple pour le moment. Les règles sont assez rapides à comprendre. Mais en tout cas, nous, on est très excités de faire cet événement. Oh oui. On est impatients de voir ce que ça va donner. On est impatients de voir s'il va y avoir beaucoup d'inscrits. Sachant que si sur la boutique, il est marqué qu'il n'y a plus de place, réessayez un peu plus tard. Oui, parce que forcément, il faut qu'on gère les stocks par rapport aux salles. Donc pour l'instant, on a mis la quantité minimum. Et si tout est vendu, On refera un réassort pour avoir la grande salle. Et du coup, il y aura une nouvelle quantité qui reviendra en ligne. Mais pour l'instant, on a une cinquantaine de starter decks. Si vous êtes 130 à participer à l'initiation avec des starter decks, il va falloir qu'on en trouve rapidement. Donc, on sait où les trouver, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant. Il n'y a pas de fin d'inscription au final. Sauf que dès que ça sera complet. Mais n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram si par exemple vous voyez que c'est complet pour savoir s'il va y avoir des nouvelles places ou quoi que ce soit. Parce qu'il se peut qu'il y ait encore des places. En tout cas, pour cette première journée, il y aura, c'est sûr, une session d'initiation, la bourse et le tournoi. Et on espère que vous viendrez nombreux à cette journée pour découvrir Lorcana et jouer avec nous. En tout cas, merci à vous les amis d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas qu'avec le code promo GEL5, vous allez pouvoir avoir 5€ de réduction sur du Oli. Et peut-être... Oli, pourquoi vous ne nous envoyez pas des petits sticks de pommes à faire goûter à tout le monde qui vient à Lorcana Day? Ça serait bien ça, tout le monde serait content de pouvoir goûter ça. Ça serait bien. Mais en tout cas, le code promo, j'ai ça que je suis très content d'avoir une sponsorisation. Je me sens enfin youtubeur quoi. C'est drôle. En tout cas les amis, on se retrouve certainement ce soir sur Twitch à 21h. Ou alors, on se retrouve très bientôt, notamment mercredi prochain, pour une nouvelle vidéo sur les parcs. Peut-être un best-of Lorcana. Ça peut. Oui. On n'est jamais à l'abri. Mais en tout cas, merci à vous. On vous fait de gros bisous. Et comme on dit chez nous, double ciao.